Orcus Focus présente. Chérie, qu'est-ce que la gémothérapie ? La gémothérapie, ou appelée aussi la phytembryothérapie, c'est de la phytothérapie, c'est à base de plantes. Et quelle partie de la plante est concernée ? Des bourgeons en train de gonfler au printemps. On est attaché à prendre le méristème qui possède certaines qualités, c'est-à-dire que les cellules dans les ristènes sont indifférenciées. À ce stade-là, elles sont capables de faire aussi bien des feuilles, du bois, des fruits, des fleurs. Et voilà, c'est l'essence même de l'arbre ou de la plante qu'on vient chercher. Si on parle de l'aubépine, elle a certaines qualités dans les feuilles, d'autres dans les fruits. Et le méristème, lui, va combiner ces deux qualités-là. Donc, en général, on retrouve des qualités des plantes qu'on connaît, comme le tilleul, par exemple, qui a un pouvoir sédatif. Mais dans le méristème, il va être plus puissant. Quand récolte-t-on ? Alors, suivant les régions, évidemment, et suivant les saisons, c'est fin mars, avril, mai, suivant les essences. Il y en a qui sortent très très vite, et il y en a d'autres comme le chêne, le noyer, par exemple, qui est très en retard, il sort fin avril. Certaines saisons, le climat va faire qu'il y aura un retard ou il y aura une précocité. Toutes les plantes sont concernées ? Alors, il y a à peu près une cinquantaine d'arbres et quelques plantes qui ont été un peu étudiées à partir des années 50 par le docteur Paul Henry, mais ensuite après par le docteur Max Tetto et d'autres. Donc, par des procédés de chromatographie et d'autres procédés pour déterminer l'essence même de chaque méristème. Donc, potentiellement, tous les arbres possèdent des qualités et beaucoup de plantes aussi qui pourraient nous servir. Comment procède-t-on à l'extraction ? Pour extraire tout ce qu'il y a dedans, on va les mettre dans un bain en 3/3 d'eau, de glycérine et d'alcool à 96 degrés. Et donc on fait une extraction à froid qui va durer à peu près entre 3 et 5 semaines. Est-ce que je peux voir ? Donc ça c'est une petite récolte de ce matin. On va les mettre avec, on a pesé 100 grammes. Et on va rajouter l'eau. Alors là, il y a eu de la glycérine dedans, de l'eau. Et on va rajouter l'alcool. Voilà. Alors j'ai mis 3 fois 500 ml parce que j'avais déjà mis des bourgeons hier sans compléter. Ça va passer à peu près entre 3 et 5 semaines. Je note la date et puis dans 5 semaines, presser un petit peu les bourgeons et filtrer. Et donc on remue un peu tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Comment utilise-t-on la préparation ? Voilà un petit vaporisateur pour utiliser le plus simplement possible dans les vaporisateurs qui se diffusent bien dans la bouche.